beaucoup de bien. Bwana watendee mazuri mengi. Que Dieu vraiment pense à vos familles ainsi qu'à vos maisons. Bwana awe na mawazo juu ya jamaa zenu na nyumba zenu. Et que aussi longtemps que vous vivrez sur la terre, vous ne manquerez de rien. Na madamu mko duniani usikose chochote. Élevons nos mains. Tuinue mikono yetu. Tu sais, Seigneur Dieu, que nous sommes arrivés à ce grand jour inédit, après avoir fait ce long voyage avec ton peuple, à ce chemin qui était très difficile, ayant beaucoup de réalités, des moments qui étaient tellement peinés. Seigneur, tu nous as donné la force de se tenir encore. Et nous voilà aujourd'hui franchis la barre, finissant le travail en bonté. Car toi, tu avais commencé ces affaires avec nous et tu nous as amenés au bout. Voilà, Seigneur Dieu, je confie ce moment de la parole entre tes saintes mains, car nous voulons maintenant écouter ce que c'est à quoi tu veux nous enseigner, c'est à quoi tu veux nous instruire. Merci, Seigneur Dieu, que le ciel soit maintenant disponible, Seigneur. Passe en action, passe aux œuvres. Passe à la manifestation, passe aux opérations des signes, passe à répandre les dons spirituels à ton peuple. Ô Dieu des armées, nous voulons avoir une église régénérée, une église sanctifiée, une église préparée pour le ciel, une église qui comprenne que le vouloir de ce monde ne nous amènera nulle part, une église qui est prête à aller au ciel. Amen. 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 Ah, bon aïe, sois si fini, ouais. Ok, nous bénissons le Seigneur. Avant de vous asseoir, nous lisons la ponction des Écritures. Aujourd'hui, supportez-moi, je ne pourrai pas crier. Alors, je me bats avec le petit blessure sur ma gorge. J'essaierai un peu bas, peut-être c'est l'interprète qui va fortement crier. D'ailleurs, moi ce que je dis, vous n'attendez pas. Donc c'est lui qui sera même censé de parler au. Voilà, parce que même si je crie, vous n'attendez rien. Donc, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 10. Non, sorry, wakumi. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: wakati wanafunzi wakamwambia, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Kwa nini wasema nao kwa mifano? Jésus leur répondit: akajibu, parce qu'il vous était donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme. Et que cela ne leur a pas été donné. Bali wao hawakujaliwa. Car on donnera celui qui a, il sera de l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tere, lakini yeyote asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Amen. Amen. Voilà le petit texte qu'on devait lire à s'asseoir, Joanie, c'est quoi? Kukachini. 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 Dans ça, Kachin. Ok, merci beaucoup. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Le bon moment est arrivé. Mda mzuri umefika sasa. Où nous arrivions à la fin de ce programme. Bapo tumefika mwisho wa program hii. Je ne cesserai d'être reconnaissant. Siwezi kosa kushukuru. À tous ces gens-là qui ont eu le plaisir d'assister à ce fameux programme. Kwa watu wote waliopata fursa ya kuwa katika programme hii. Je suis tellement marqué de votre chaleureux accueil. Na nimeguswa sana na mapokezi yenu mazuri. Et ces beaux jours qu'on a dit passé ensemble. Na hizi siku nzuri ambazo tumekuwa pamoja. Parce qu'il y a des gens ici qui ont eu le plaisir de dire que moi je vais maintenant servir le Seigneur, qui le lève seulement sa main.
Ikiwa hapa kuna watu katika siku hizi ambao waliamua na kusema kwamba mimi sasa nitamtumikia Bwana. J'ai écouté, je prends la décision vraiment de suivre les seigneurs. Na yote ambayo nimesikia basi mimi nachukua uamuzi wa kumtumikia Bwana na kumpa maisha yangu yote. Ikiwa wapo wainue vidole, wainue mikono tuwaone. Les gens ici que je parle, watu hawa naongea, ne sont pas seulement les gens qui sont convaincus, qui ont crié à cela, qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Sio tu watu ambao wenda wanatembea vile na vile, lakini hata hivyo wamesikia neno. Le Seigneur m'a dit de l'appeler. Bwana ameniambia niite. Les gens qui s'engageront à servir Dieu. Watu ambao watajitolea kumtumikia. À marcher avec Dieu, d'accord, vous l'avez fait avec le message. Kutembea na Mungu sambamba kama ilivyo. Mais qui prend le désir et la décision de servir Dieu soit dans un département de l'église. Ambao wamechukua uamuzi wa kutumikia Mungu waenda katika ofisi moja kanisani. Là, élève seulement ta main. Pale inua tu mkono wako tukuone. Le servir Dieu a un domaine dans l'église. Wapo utamtumikia Mungu katika ofisi moja au kanisani. Être un simple fidèle. Kuliko kuwa tu muamini tu. Mais de s'engager à l'œuvre de Dieu. Lakini kutumika kazi ya Bwana. Élevez-vous-même vers les cieux. Hebu inue mikono yenu. Pas toi. Mais kama wewe tayari ni mfanya kazi kanisani atoki kusema. Pas. Lakini kama ulikuwa hautumikii Mungu katika kanisa. Na leo umeamua kuchukua uamuzi. Servir Dieu dans un département de l'église. Wa kutumikia Mungu katika ofisi moja kanisa. Être à la modération, soit être intercesseur, soit suivre les formations. Au kuwa muombezi au kuwa katika kikundi cha protocol au tu dis vraiment je prends la décision maintenant de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Unasema kweli nachukua uamuzi wa kutumikia Bwana kazi. Oui, lève ta main. OK, inua mkono. Viens ici devant. Njoo mbele. Sogea hapa mbele. Le servir Dieu à un département. Kwamba umeamua kutumikia Mungu kazi katika afisi moja kanisani, katika idara yote. Venez-le. Élevez-vous vers les cieux. Et maintenant, mes collègues, nous quelqu'un à Dieu. Tu vois, c'est le noir. Unaona ni weusi. Ah, c'est nous les noirs. Si ndo weusi wa. Aujourd'hui, tu vois, c'est le noir qui sont là. Leo unaona ni weusi. Avec la notre ville ensoleillée comme ça on est. Na ili jua la Dar es Salaam tuko weusi kuliko. Non, tu vois que c'est nous les noirs aujourd'hui. On est tellement noir. Unaona sisi ni weusi. Ville soleil de l'Afrique aussi. Wewe na unaona kabisa picha ya Afrika. Mais quand toi tu te tiendras ici. Lakini wewe utakaposimama hapa. Tu vois ici. Unaona? Je ne dis pas dans cette église. Sisemi katika kanisa. Mais garde la vision que je t'ai dit. Lakini angalia ono ninayokuambia. Toi tu verras des blancs assis. Wewe utaona wazungu. C'est là le travail que Dieu t'appelle. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu amekuita. C'est là que le travail que Dieu t'appelle de toute ta vie jusqu'à la mort. Hiyo ndio kazi Mungu amekuitia maisha yako yote mpaka kifo. Tu iras tellement partout dans le monde et tu vas tellement servir Dieu. Utaenda fasi mbalimbali duniani na utamtumikia Bwana. Je vois l'image d'un homme de Dieu derrière toi qu'on a écrit Rena Bonke. Na ninaona picha ya mtumishi mmoja wa Mungu nyuma yako ambaye anaitwa Rena Bonke. Dieu l'a utilisé, c'est comme Dieu t'utilisera. Ninaona kama Mungu alivyomtumia na wewe ndio Mungu atakutumia. Tu iras tellement partout dans le monde. Utaenda duniani pote na utafanya hiyo kazi ya Injili. Tu iras tellement partout dans le monde. Utaenda sehemu
zote dunia. Et tu auras la force de convaincre facilement. Na utakuwa na uwezo wa kushawishi. Les gens t'écouteront une, deux fois. Watu watakusikia mara moja mbili na wanaamini. C'est ça que Dieu t'appelle. Ndio hiyo Mungu amekuita. La meilleure vie que Dieu te donnera sur la terre, c'est ça. Maisha mazuri ambayo Mungu atakupa duniani. Le bonheur de ta vie ne viendra ni dans les activités ni dans le travail. Toi, le bonheur viendra à servant le Seigneur. Ubora wa maisha yako hautakuja katika kazi au biashara, lakini utakuja katika kutumikia Bwana. Fortement utilisé. Utatumikishwa sana. Qui est malade ici? Nani ni mgonjwa hapa? Kuna mtu anaumwa? Qui souffre de maux de tête? Ambaye anaumwa kichwa, kichwa kuuma. Maux de tête. Kichwa kinakuuma. La tête de Léon, tu sens mal? Unasikia vibaya? Approche. Ndio. Non, ici. Hapa hivi. Va toi. Va ne monte pas. Wewe usipande huko. La tête de fait mal. Kichwa kinakuuma. Kichwa kinakusumbua. Pointe à main. Wewe shika mkono wako. Impose-le. Weka juu yako. Impose bien. Mike. Impose bien. Mike. Weka mkono vizuri. Impose bien. 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 Weka mkono vizuri. Allez d'abord. Ondoa mkono wako kwanza. Quelle est la foi? Una imani? Tu sens toujours mal? Je, unajisikiaje mgonjwa? Unajisikiaje kichwa bado kinauma? Eh? Kina kimepungua? Eh, sisikii tena. Kimepungua au usikii kabisa? Sisikii kabisa. Amina. Et c'est une prime malade. Na prime malade. Donc je voulais juste te dire que tu as le don de la guérison. Nilikuwa nataka nikwambie kwamba una karama ya uponyaji. Donc frère, c'est fini, hein? Ni kweli kabisa kimeisha. Donc je voulais juste te montrer que tu as le don de la guérison. Nimetaka kukwambia kwamba una karama ya uponyaji. Sasa tukumbuke Dieu t'appelle. Unaelewa sasa kama Mungu amekuita? Tukumbuke Dieu t'appelle. Unaelewa Mungu amekuita? Il comprend. Tu comprends. C'est toi qui as prié pour lui. Ni wewe ulimwombea yule. C'est ta main qui l'a guéri. Ni mkono wako ulikuwa. Le Seigneur est entré par toi et il a guéri. Mungu ameingia kwako na amemponya. Tu crois que tu as le don de la guérison? Unaamini kama uko na karama? Au tufanye ingine exercise moja ya uponyaji. Aujourd'hui on a fait la guérison. Retiens cela que tu as déjà tu vois, tu as un don. Unaona wewe tambua kwamba kwanza kuna karama. Kuna karama ya uponyaji wa kiroho. Encore le don de la délivrance. Kuna karama ya kufungua. Parce que les jours sont finis. Sababu siku zimeisha. Si j'avais des jours. Kama ningekuwa hapa. J'allais appeler un personne ou une personne possédée. Ningeita mtu mmoja ambaye anapagawa na mapepo. Et je voulais dire seulement que je te montre une partie de ton corps, tu le touches. Na mimi ningekuonyesha sehemu ya mwili wake kisha nakwambia mguse. Na yeye atapona. Tu prie ici. Unaombea wapi? Unasali wapi hapa? Il prie sur une église appelée Keketi. Keketi. C'est une église littérienne. Keketi. C'est quelle église? C'est une église littérienne. C'est une église pentecôtiste. Non. Protestante. Quelle est la question? Le kanisa gani? Okay, à part Keketi, il y a encore dans une église appelée Oremo. Oremo, ce sont des églises de réveil? Ni hizi kanisa za uamsho uamsho. Dieu t'amène loin. Sawa, Mungu akubebe mbali zaidi. Dans la vérité, dans la vérité. Udumu katika kweli, eh? Sawa, soyez béni. Sawa, ubarikiwe. Naweza rudi. Lui, il est appelé au ministère. Ameitwa katika kuhubiri. Seigneur, je prie pour ces gens. Ok, nataka ombea nyinyi wote hapa. Donne-leur la force de te servir. Bwana, wape nguvu za kukutendea kazi. Ils s'engagent à te servir. Wamejitolea kukutendea kazi. Donne-leur l'amour. Wape upendo.
Donnez-lui la grâce de te servir et de marcher dans ton œuvre. Kwa neema ya kukutendea kazi na kutembea katika kazi. Servir, Seigneur Dieu de grâce. Wanataka kukutendea kazi. Ils ont tellement l'amour de te servir. Wana upendo huu ni kukutendea kazi. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Toi, il faut l'intercession. Wewe cette fille ici. Oui, elle c'est l'intercession. Wewe binti una utatumika katika maombi. Elle a la grâce de la prophétie. Sababu una neema ya unabii. Elle sert dans l'intercession. Mpeni Bwana maisha yenu. Et vous, vous devez évangéliser les hommes. Na nyinyi mta kwa injili. Et ça prendra au moins 5 ans si vous restez fidèles. Na mkikaa vizuri na Mungu mda wa miaka mitano. Après 5 ans. Baada ya miaka mitano. Dieu vous appellera au ministère. Bwana atawaita sasa katika ofisi. Celui-là, il sera appelé au doctorat. Celui-là a fait. Oui. Huyu ataitwa kuwa mwalimu wa neno. Mais celui-ci, celui-ci. Lakini huyu il sera appelé à l'évangéliste. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Ok, nous pouvons passer aux choses essentielles. Ça va, tu es déjà sur la mambo bengine. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, tellement que c'est la fin. Donc, j'ai tellement pas mal de choses à faire. Je ne vois pas où commencer. Je ramasse tout, je prends tout. Et j'appelle tout parce que je finis là à appeler. Et le Seigneur me parle encore. Il y a des gens qui doivent encore réconcilier leur alliance avec Dieu. Mais je vois que je peux le faire même au millier du message. Leo ni siku ya mwisho, sasa sijui nianze wapi nishie wapi. Mambo ni mengi, nachukua huko, nachukua na kule, na hivi hata ninavyoongea hapa Bwana ananiambia kama kuna watu ambao lazima tena wahuishe uhusiano wao na Mungu. Sasa sijui nianzie wapi, lakini mengine nitafanya tu ninavyoendelea na ujumbe. Voilà, merci beaucoup. On vient déjà de lire le texte du livre de Matthieu chapitre 13. Sawa, nafikiri tumeshasoma kitabu Mathayo sura 10. La parole de Dieu nous venons de lire nous a expliqué. Na neno la Mungu ambalo tumetoka kusoma limetueleza. No, c'est déjà le texte que vous venez déjà d'écrire. Ndio ile ambayo mmeshaandika hapo tulisoma mwanzo. Alors la parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linasema. Lorsque le Christ a fini de donner de relater la parabole. Wakati Yesu alipomaliza kutoa huo mfano. Alors les disciples s'approchèrent pour lui demander: "Mais Seigneur, pourquoi leur parle-t-il toujours en parabole?" Wanafunzi wakamsogelea wakamwambia, "Bwana, kwa nini wanena nao kwa mifano?" Alors le Seigneur dit: "Parce que eux, il ne leur a pas été donné de connaître le mystère du royaume des cieux." Bwana akamwambia, "Ni kwa sababu wale hawakujaliwa kujua siri za mbinguni." Mais quant à vous, cela vous a été accordé. Lakini nyinyi mmepewa hili. Oh, les gens dont le Seigneur parlait. Na watu ambao Bwana alikuwa akiongea. Ces fils de pharisiens qui connaissaient la loi de Moïse. Hawa walikuwa mafarisayo ambao walikuwa wanajua sheria ya Musa. Parce qu'à l'époque, il y avait des pharisiens. Sababu wakati ule kulikuwa mafarisayo. Il y avait des sadducéens. Kulikuwa masadukayo. Il y avait des scribes. Kulikuwa waandishi. Il y avait tellement beaucoup de groupes ecclésiastiques. Palikuwa na vikundi vingi sana vya kidini. La différence de tous ces groupes ecclésiastiques était par rapport aux dogmes et à certaines observations. Tofauti hivyo vikundi vya dini ilikuwa tofauti hasa kwenye mafundisho na mapokeo. Les autres croyaient à la résurrection des morts. Baadhi waliamini katika kufufuliwa kwa wafu. Les autres ne croyaient pas à la résurrection des morts. Wengine hawakuamini katika kufufuliwa. Les autres croyaient aux anges. Wengine waliamini uwepo malaika. Les autres aussi ne croyaient pas aux anges. Wengine hawakuamini malaika kuwepo. Mais malgré le point qui le différencie. Lakini ijalishi hizo points zilizotofautisha. À cette époque-là, wakati ule, tous les juifs avaient l'espérance de
la venue de Christ. Wayahudi wote walikuwa wanangoja kuja kwa Kristo. Et même jusqu'à aujourd'hui, si tu rencontres un juif, on connaît beaucoup, et tu parles avec lui, il te dira, nous savons que le Messie n'est pas encore arrivé. C'était des gens qui connaissaient beaucoup de choses, qui avaient la loi de Moïse, qui avaient des préceptes, qui avaient des dogmes, qui avaient des recommandations et qui avaient des préceptes. C'était tellement bon. Mambo mengi sana, walikuwa na maandishi mengi, walikuwa na mapokeo mengi, walikuwa na mafundisho mengi, walikuwa na sheria za Musa. Walikuwa wanajua vitu vingi wakati ule. Et ce peuple là était le peuple qui servait Dieu dans la connaissance. Na wale watu bila shaka walitumikia Mungu katika kulijua neno. C'était un peuple qui avait la connaissance. Ni watu walikuwa wanajua neno. Et qui servait Dieu dans la connaissance. Na ambao walitumikia Mungu katika kujua. Mais ils n'ont pas compris à servir Dieu dans la révélation. Lakini hawakuelewa kutumikia Mungu katika ufunuo. Le Messie de l'attente juif, Messie ambaye walisubiri Wayahudi. Oh, le juif attendait. Au yule ambaye Wayahudi toutes les dispositions de la loi des prophètes étaient là. Kila manabii sheria yote ilikuwa pale kwa Yesu. Ils étaient tellement fortement instruits, ils savaient comment le Messie ou le Christ viendra. Walikuwa kabisa wameeleweshwa, wamefunzwa jinsi gani Masihi atakavyokuja. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, lakini wakati Yesu alipofika, au-delà de leur connaissance, bali na kujua kwake, toute la disposition des écritures qu'ils savaient, ijalishi maandishi waliokuwa nayo, ils n'ont pas compris que celui qui était venu là était le Christ. Hawakuelewa kama yule aliyefika pale ndiyo Kristo. Celui qui était né par Marie accomplissait parfaitement les écritures. Hawakuelewa kama yule aliyezaliwa na Maria alitimiza maandiko. Mais à cause de la simplicité de sa naissance, lakini kwa vile jinsi alizaliwa katika unyenyekevu, il a passé inaperçu à l'attente de ses pères. Wengi hawakumfahamu. Il attendait quelque chose de glorieux. Wao walikuwa wanasubiri kitu kikubwa. Ils pensaient que le Christ descendra du ciel avec des anges. Waliwaza wenda huyo Masihi atashuka mbinguni na malaika. Mais voici le Christ, je suis venu, je suis le roi des Juifs. Na kwamba huyo Kristo angeenda kwenye mlima wa Israeli na sasa ni mimi ndiye Kristo. Rétablissement de leur royaume. Wao walikuwa wanawaza kuhusu kurudi. Le Christ viendra, il prendra le pouvoir politique, il chassera les Romains de notre pays. Kwamba Kristo akija atashika nafasi kuu katika siasa. Oh, le roi qui est venu là, le Christ. Lakini huyo mfalme aliyekuja Kristo. Sa grande royauté n'était pas la terre. Mfalme wake mkubwa sio dunia. Il était venu pour ouvrir un autre royaume. Yeye alikuwa amekuja kufungua le royaume là. Na ufalme huo ndio kule eternellement. Na yeye huko anatawala. Ce royaume était le royaume des cieux. Na ufalme huo ulikuwa ufalme wa mbinguni. Il est apparu dans la simplicité. Yeye alionekana katika hali ya unyenyekevu. Il s'est fait un roi sur ceux qui croient en lui. Na akajifanya mfalme kwa wale waliomwamini. Alors chaque fois qu'il parlait à ce peuple là. Kila mara alipongea na watu wale. Tellement qu'il parlait dans la simplicité. Kwa jinsi aliongea katika unyenyekevu mkubwa. Dieu choisit les choses simples pour manifester sa gloire. Mungu chagua mambo ya kawaida ili kuonyesha utukufu. Car c'est la simplicité qui amène à la grandeur. Sababu ni mambo ya kawaida ndio yanakufanya. Est-ce que je prophétise pour quelqu'un ici ce soir? Kuna mtu namtabiria jioni ya leo? Est-ce que je prophétise pour quelqu'un ce soir? Kuna mtu anapokea unabii jioni ya leo? Et c'est cette critique qui parle de moi.
traversé la lac Tanganyika. Nikapita lac Tanganyika. Mais quand on a emprunté Kigoma pour arriver ici. Lakini tulipotoka Kigoma kufika hapa. J'ai dit à l'homme de Dieu, ça c'est le chemin de la mort. Niliambia mtumishi wa Mungu hii ni njia ya mauti. Ce chemin jusqu'à ma mort, je ne reviendrai plus jamais. Yaani kutoka Kigoma kufika hapa kwa basi ni njia ya kifo. Si asi tu es fatigué. Yaani unakaa kwenye kiti mpaka unachoka. Mais quand je me renseigne dans mon pays. Lakini sasa nilipouliza katika nchi yangu. Let's
vous que cela était destiné. Akasema ni kwenu ili hiki imeendelea. Bon, je ne peux pas continuer à prêcher ici dehors, bientôt là on doit arrêter. Siwezi endelea kuhubiri hapa sajo saba sasa hivi watanisimamisha hapa. Bon, aujourd'hui, je dois directement continuer au témoignage. Kwa hiyo mimi acha niingie katika ushuhuda. Voilà ce que je parlais au témoignage. OK, narudia kwa katika ushuhuda. Amen. Je prêchais le vendredi. Nilihubiri vendredi. Mnahitaji Kiswahili chenu, unaita kwetu siku ya tano. Voilà. Hapa mnasema Ijumaa nini? Parce que hier c'était Ijumaa. OK. Hier c'était lui-même le pasteur. Oui, hier c'était le pasteur. D'accord. Voilà, on disait ceci. Ilikuwa inasema hivi. On avait parlé lorsque nous sommes arrivés à l'entrée du paradis. Sabu tulifikia katika ule mlango wa kuingia paradiso. Ceux qui entraient et ceux qui n'entraient pas. Walioingia na ambao hawakuingia. Nous avons parlé de la disqualification de plusieurs âmes. Tuliongea jinsi gani nafsi nyingi zilirudishwa. Qui étaient disqualifiés pour plusieurs raisons. Ambazo zilirudishwa kwa sababu nyingi sana. Après, nous nous sommes limités à l'âme qui avait trouvé l'accès d'entrer dans le paradis. Baadaye tulisimamia tukafika kwenye nafsi ambayo ilipata ruksa ya kuingia paradiso. Je vous avais dit que son tour était arrivé. Niliwaambia kwamba wakati wake ulifika. Et qu'il faisait son approche pour y entrer. Na alipokuwa anakaribia ili kwamba ingie. Et pendant qu'il faisait son approche, alipokuwa akikaribia, j'avais dit que j'avais donné l'exemple comme de la porte de l'église là. Nafikiri nilitoa mfano kama lile lango la kanisa. Au poteau des deux portes de l'église, il y avait deux anges qui se tenaient, qui souhaitaient la bienvenue aux âmes admises. Kwenye pembe mbili za kanisa kulikuwa malaika wawili ambao walikuwa wanakaribisha hizi nafsi zinazokuja kuingia. Et que les anges n'ouvraient pas la porte pour quelqu'un. Lakini wale malaika hawakufungulia mtu yeyote mlango. Sauf par l'admission que si tu étais admis que la porte s'ouvrait. Isipokuwa kama wewe ulikuwa umekubaliwa mlango ulijifungua wenyewe. C'est à ce moment-là que cette personne s'approchait aussi pour entrer. Na ulikuwa wakati huo mtu naye akasogelea ili aweze kuingia. Il s'avançait. Akasogelea. La porte s'ouvrait. Lorsque là-bas pour entrer, il faut d'abord chanter les 10 cantiques qui sont célestes. Niliwaambia pale kabla hujaingia lazima uimbe nyimbo 10 za mbinguni. Après avoir chanté, baada ya kuimba, la porte s'ouvrait. Mlango unajifungua. Lorsque il s'approchait pour entrer, unapokaribia kuingia, alors la voix sortit de l'intérieur qui parlait des conditions pour accéder au ciel. Ndiposa sauti inatoka mle ndani ikisema kuhusu shurti za kuingia mbinguni. Je parlais de la première condition qui était de c'est tellement nombreux. On a parlé de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Tuliongea kuhusu shurti ya kumpokea Yesu katika maisha yako. Après on a parlé sur le paiement des dîmes et des offrandes. Baadaye tukaongea kuhusu shurti ya kulipa cha 10 na sadaka. Et que tout chrétien a l'obligation de payer fidèlement ses dîmes. Kwamba kila Mkristo ni lazima alipe cha 10 yake. Oui, c'est obligatoire. Yeah. Alipe cha 10. Donc je ne parle pas de ça mais de ça. Donc il a tellement l'obligation de le faire. Kwa hiyo kila Mkristo lazima alipe cha 10 zake. Là c'est les conditions pour être admis. Hiyo ni moja miongoni mwa shurti ili ukubaliwe. C'était recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur personnel. Kwa Yesu Kristo katika maisha yako kama mwokozi wako. Payer sa dîme. Kulipa cha 10. Et faire l'évangélisation. Na kuhubiri injili. Quatrième condition pour accéder au paradis. Sasa shurti ya aujourd'hui, j'ai eu le temps souvent de mettre des versets parce que la fois passée je parlais, je ne donnais pas des versets. Leo nimepata muda wa kuweka verses za Biblia ambazo zitatupitisha tutakavyoongea wakati ni. Quatrième condition c'est la fréquentation de l'église. Shurti ya nne ni kuingia na kanisa au kuwa ulikuwa unaingia kanisani. Voilà, c'est la fréquentation de l'église. Kuingia kanisani. Hébreux chapitre 10 le verset 25, la Bible dit: n'abandonnez pas vos ensembles. Inasema msikose kukusanyika. Et que l'église locale est reconnue comme centre de formation et de préparation des âmes pour l'éternité.
Kule kila kanisa ya mahali inajulikana kama vile center ya maandalizi kuandaa watu ili kupata uzima wa milele. L'opacité ou bien à la responsabilité d'avoir une église de référence et de fréquenter l'église. Na kila mkristo lazima awe na kanisa lake ambapo anaingia kama la kwake na kwenda hapo. Tu dois avoir une église d'appartenance. Lazima uwe na kanisa ambapo una. Mais lorsqu'il dit pour accéder à ce royaume, sasa aliposema ili kwamba mtu aingie katika ufalme huo, et que tu dois être membre d'une église, na kwamba lazima uwe mwanamemba wa kanisa, c'est l'église qui a enseigné le message qui a mené les âmes au ciel. Hiyo tunaongelea yani ni kanisa inayofunza ujumbe wa kubeba watu mbinguni. Ah, voici le critère. Mais beaucoup des hommes aussi qui n'entraient pas semblaient fréquenter l'église, mais lorsque tu fréquentes une fausse église, le Seigneur ne te reconnaît pas que tu es chrétien dans une église. Lakini ukiwa unaingia katika kanisa ambalo si kanisa nzuri, kule mbinguni hawakujui wewe kama ni Mkristo. Donc tu peux être fervent dans une église, mais vous êtes à la mauvaise direction. Yani waweza kuwa mtendakazi katika kanisa fulani lakini huko katika njia mbaya. Et il faut toujours demander à Dieu l'état spirituel de l'église dont tu veux fréquenter. Na daima uwe unauliza Mungu hali ya kiroho ya kanisa ambalo unataka kuingia. L'église a pour mission de faire un peuple sanctifié. Kanisa lina wajibu wa kufanya taifa liwe takatifu lenye utakaso. Cela n'est pas dit à notre entrée au sein de l'église. Ile haimaanishi kuingia kanisani. Parce que dans le physique on n'aura pas une église sainte. Sababu katika hali ya kimwili ni vigumu kuwa na kanisa takatifu. Comme l'hôpital, il est rempli de beaucoup de personnes qui ont toujours des problèmes, qui vivent toujours dans les péchés, dans les mondes. Les églises seront comme ça, mais la mission ou la responsabilité de l'église, c'est de rendre un peuple saint au moyen des enseignements purs, juste qui amènent au ciel. Sababu kanisa ni kama hospitali, kunaingia watu tofauti, matatizo, wenye mashida, wenye magumu na wenye dhambi. Kwa hiyo ni vigumu kuwa na kanisa takatifu, lakini lengo la kanisa ni kuandaa watu watakaswe ili wapate. L'église doit réprimander les péchés, condamner les péchés, mais sauver les pécheurs. Kanisa lazima lionye dhambi, lihukumu dhambi, lakini liokoe watenda dhambi. Il faut que l'église atteigne cette sainteté. Inabidi kanisa lifikie utakaso huo. Loin de l'impureté et loin de la souillure. Mbali na uchafu wote, mbali na mabaya yote. Alors il dit si tu fréquentes l'église. Kwa hiyo akasema je, lorsque le Seigneur lui posa cette question, Bwana alipomuuliza hilo swali kama alikuwa anakusanyika. Je ne sais Seigneur, toi tu le sais. Akajibu najua kwamba wewe unajua Bwana. Alors, cinquième condition, le Seigneur lui demande. C'est dans le psaume 119:9. Comment les jeunes hommes rendent-ils pire son sentier à ses dirigeants d'après ta parole? Kijana mwanamume atafanyaje katika uendaji wake akilielekea neno lako? Le Seigneur lui demanda, est-ce que tu lisais régulièrement, constamment la Bible? Bwana akamuuliza, je, ulikuwa unasoma kila siku kila wakati Biblia yako? C'est là que je sais que nous avons une responsabilité énorme à lire la parole de Dieu et à les mettre toujours en pratique. Ndio hapo nataka niwakumbushe kwamba tuna kazi nzito ya kusoma neno la Mungu na kulitendea kazi. Alors, on lui posa la question là. Wakamuliza hiyo swali. Dans Josué chapitre 1, le verset 9. Katika kitabu cha Yoshua, sura ya kwanza mstari wa 9. Il parle de que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Inasema kwamba kitabu hiki cha sheria kisiondoke kinoni mwako. Écoutez bien, vous savez, nous dans le prophétique ou dans le ministère prophétique, sisi katika huduma hii ya kinabii, les deux choses qui font la force d'un prophète, vitu viwili vinavyofanya nguvu za nabii, c'est de lire beaucoup la Bible. Ni kusoma sana Biblia. Parce que nous dans le prophétique ça augmente le niveau
et la vision. Sabusisi katika huduma ya kinabii inaongeza uwezo wa kuona. Ça augmente le niveau de la précision. Inaongeza uwezo wa kuona uhakika wa jambo. Je ne suis pas ici dans une école de prophètes. Siko hapa katika shule ya manabii. Là, ce sont des enseignements qu'on parle dans les écoles de prophètes. Hayo ni mafunzo wanaongea katika shule za manabii. Je reste toujours dans les témoignages. Acha nirudi katika. Le Seigneur lui demanda s'il lisait quotidiennement, constamment les écritures. Bwana akamuuliza ikiwa alikuwa anasoma daima maandiko. Nous avons pour responsabilité de lire, de méditer la parole de Dieu. Tuna sisi wajibu wa kusoma na kutafakari neno la Bwana. La seule chose qui peut rendre pire notre vie, c'est la parole de Dieu. Kitu pekee chaweza kututakasa katika maisha yetu ni neno. S'opposera à ta propre volonté. Hilo neno litapingana na mapenzi yako binafsi. Après lui avoir posé la question de la méditation de la Bible, baada ya kumuswali kuhusu kusoma Biblia, il lui posa encore la question si il priait régulièrement. Wakamuliza pia swali, je, ulikuwa unaomba daima? Na 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Il nous est toujours enseigné de prier sans cesse. Tumefunzwa kwamba tuombe bila kukoma. Il dit, est-ce que tu pries régulièrement? Wakamuliza, je, ulikuwa unaomba daima? La prière sanctifie. Maombi yanatakasa. La prière fait tomber le vouloir et établit Dieu comme le seul et l'unique autorité. Maombi yanaangusha ngome za shetani na kuinua Bwana kuwa kiongozi mkuu katika maisha yako. La prière renforce notre relations avec Dieu. Maombi yanaongeza uhusiano wetu kuwa bora sisi na Mungu. La prière permet que nous vivons en accord avec Dieu. Maombi yanafanya tuishi vizuri na Mungu. La prière est un grand monde. Maombi ni neno kubwa sana. Et que tout chrétien vivant sur la terre a la responsabilité de prier. Kila Mkristo ambaye yuko hapa duniani ana wajibu wa kuomba. Après il lui posa encore la question de savoir. Baadaye akamuuliza swali lingine. Et ici c'est le plus grand problème. Na hili ndio tatizo kubwa. Est-ce que tu respectais mes prédications? Je, uliheshimu mahubiri yangu? Lisons dans le livre de Ésaïe chapitre 3. Tusome katika kitabu cha Isaya. Est-ce que tu respectais mes prédications? Je, uliheshimu mahubiri yangu? Ésaïe chapitre 30 le verset 9 dit ceci. Isaya 30 na mstari wa 9. Le verset 9 à 11. 9 hadi 11. Car c'est un peuple rebelle. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Ce sont des enfants menteurs. Watoto wasemao uongo. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Watoto wasiotaka kuisikia sheria yake. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Wawaambiao waonaji mambo msione. Et aux prophètes, ne nous prophétise pas de vérité. Na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Dites-nous des choses flatteuses. Tuambieni maneno laini. Prophétise des chimères. Hubirini maneno ya danganyayo. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito. Éloignez de notre présence le saint d'Israël. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Sikiliza ndugu yangu katika Bwana. La voix qui sortait de l'intérieur lui posa la question. Sauti kutoka mle ndani kamswali. Tu respectais et honorais mes prédications. Ulikuwa unaheshimu mahubiri yangu. Imaginez bien aimé comment nous nous comportons face à la parole de Dieu. Ndugu fikiria jinsi gani tunavyopenda tukiwa mbele ya Le prophète Isaïe dit c'est un peuple rebelle. Nabii Isaya anasema ni watu waasi. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de Dieu. Watoto wasiotaka kusikia sheria za Mungu. Qui disent aux hommes de Dieu prophétisez pour nous des chemins. Ambao wanaambia watu wa Mungu ututabirie mambo laini laini. Des choses flatteuses. Ni watu ambao wanataka mambo laini laini. Et que lorsque l'église, le pasteur touche leur vie de la sanctification, de la justification ou du baptême du Saint-Esprit, ces gens-là disent, en tout cas je ne viendrai plus à l'église, ce pasteur m'a scandalisé. Wakati mchungaji akigusa zambi zao, akigusa maisha yao ya utakaso, kuhesabiwa haki na kupokea Roho Mtakatifu, watu hao wanasema sirudi tena katika kanisa hilo. Mchungaji amenidharaulisha. Elekta seulement que
croyants. Il cherche encore des clients qui croyant qui auront les mêmes pensées que lui. Pour dire, je ne suis pas seul, on est nombreux. Est-ce que c'est tu as écouté ce qu'il avait dit là? Dada, vous savez, vous avez dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais est-ce que vraiment Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le péché? Yesu kabisa alikufa msalabani juu ya wafanyika. À cause des petites choses comme ça, comme des rouges à lèvres seulement. Yesu afenyu sababu tu ya wanja, wanja. Ah, moi je ne crois pas à ça. Ah, mimi siamini hivyo. Alors il attend assez. Alors dit bien, hey, dada. Si je t'attendais. Mimi pia nilikuwa na kusubiri niambie hivyo. Si je ne crois pas à ces choses là. Mimi pia siamini ya lolote. Il cherche encore une autre personne. Watatafuta mwingine. Et devient quatre. Wanakuwa wanne. Chemin fait ça. Jusqu'à rentrer chez eux. Et moi je rentre au Congo. Na mimi nisha rudi Congo. Je peux faire des années au Congo pour revenir ici. Na wewe nikafanya miaka Congo ili kwamba nije. Mais chaque jour. Lakini nyinyi kila siku. Ils vont continuer à parler. Utaendelea kuongea. Vraiment ce pasteur là, je ne sais pas où le pasteur a pris. Sijui kabisa ule mtungaji anaomba wapi. Depuis qu'il est venu dans notre église. Alipokuja kabisa ni kwetu. Il a détruit notre église. Ameharibu kusanyiko letu. Avec ses choses là, moi je refuse. Na ile mambo yake mimi nakataa. Donc ils sont tellement dans des prédications et des messages des mêmes. Wani wana wenyewe wanaingia katika ule ujumbe na kweli. Qui prêche la prospérité est constaté et contesté. Hakuna mhubiri hata mmoja anayehubiri mahubiri ya mafanikio ya kimwili ambaye anapigwa na watu. Partout les prédications de la prospérité prêchée. Popote wanapohubiri mahubiri ya mafanikio ya mambo ya kimwili. Prédications ne sont jamais contestées. Hayo mahubiri hayakataliwi. De la prospérité, de l'élévation des maisons, des véhicules, à cause de l'incrédulité.
wapi. Je connais déjà trois personnes qui fuient l'église. Yani pale najua watu watatu watakimbia. Elle commence déjà à appeler d'autres fidèles. Na wanaanza ita wengine kwenye simu. Est-ce que Daddy a fini avec ce truc là? Daddy ameshamaliza yale mahubiri mahubiri yake. Lorsque le pasteur voit toutes ces choses, qu'est-ce qu'il fera? Mchungaji akiona hayo yote atafanya nini? S'il n'est pas appelé par Dieu, kama akuitwa na Mungu, qu'il lâchera la prise. Ataachilia. À cause du peuple. Kwa sababu ya waumini. Un pasteur en France. Mchungaji mmoja Ufaransa. Oh, je vais vous faire rire un peu. Aujourd'hui c'est la fin. Acha niwachekeshe kidogo. Unajua leo ni siku ya mwisho. Le pasteur là a suivi le message de dépouillement. Yule mchungaji kule Ufaransa alisikia naye ushuhuda. Il dit je crie à cet évangile. Akasema wow, naamini hiyo injili. Premier dimanche il est allé dans son église. Jumapili ya kwanza akaenda kanisani kwake. En France, il a commencé la prédication. En France, à 15 ans, il dit. Bon, là, à l'église, toutes les femmes étaient maquillées, toutes les femmes avaient des plantes, des mèches, ainsi de suite. Quand les années qu'on a marqué, ouais, on est quoi, on a vu Podosi, on est quoi, on a nué les bandits, on a Casalic. Lorsque le pasteur entre et monte sur la chaise, Mchungaji alipoingia na kupanda mibarani. Il commence seulement à condamner ces choses. À 15 ans, kukumu hayo yale ma. Je vous dis, les fidèles se sont levés en pleine guilt. Naambia waumini walisimama wima katika ibada likiendelea. Il dit avant que nous te laissons continuer, change d'abord les choses. Wakamwambia kabla tutakuanza uendelee, badili mambo. Sinon quitte l'église. La sivyo tunaacha kanisa. Je vous dis une chose vraie et réelle. Hili ni jambo kweli kabisa. Les gens se sont levés au sein de l'église. Watu walisimama hivi waliinuka kanisani. Il ne faut même aller loin. Yani wao hawakutaka hata mambo ya kumtetetea hivi. Sasa déjà des gens qui enseignent le dépouillement. Wao wanasema tunajua watu wanaofundisha. Sasa cha l'église lui dit toi tu as pris les choses d'Aston ici. Yani wakamwambia wewe umeleta mambo ya Aston hapa. Il dit avant que nous sortons. Wakamwambia kabla tujaondoka hapa. Tous les églises sont élevées. Kanisa lote likasimama. Avant que nous partons change l'évangile. Wakamwambia tunataka ondoke lakini je sais que tu es habitué de prêcher. Utubiri le pasteur voulait expliquer. Mchungaji akajaribu kujieleza. Les gens ont commencé à sortir. Watu wakaanza kuondoka moja moja. Il faut que nous rentrons. Akamwambia ili kwamba turudi hapa. Fléchis-toi devant l'église. Wewe upige magoti mbele ya kanisa. Et demande nous pardon. Na utuombe msamaha. Je vous dis. Nawaambia. Le pasteur a crié au micro, ne sortez pas, ne sortez pas. Mchungaji akachukua maika akasema, "Eh, msitoke, msitoke, msitoke." Je renonce à cela, je renonce. Basi napiga magoti naomba msamaha. Je ne serai plus jamais. Sitahubiri tena hii injili. Les fidèles ont entouré. Na waumini wakaja wakamzunguka. Plus jamais je dirai ces choses. Useme sitaongea mambo haya tena. Plus jamais je dirai ces choses. Naye akasema sitaongea haya mambo tena. D'ici tu oses, on ne paiera plus les dîmes. Sema nikijaribu kuyaongea hatutalipa chakula. Si je recommence, vous n'allez plus payer. Naye akasema nikijaribu kuyaongea tena msilipe chakula. Demande pardon trois fois. Okay, omba msamaha mara tatu. Et maintenant fais-le avec ta femme. Sasa uombe msamaha pamoja na mke wako. Sa femme aussi s'est approchée. Mke wake naye akaja. Ses deux se sont fléchis. Wakapiga magoti wote wawili. Ils ont levé les mains vers le ciel. Wakainua mikono yake juu. Église de Dieu pardonne-nous. Wakanisa la Bwana mtusamehe. On va plus recommencer. Hatutahubiri tena hiyo injili. C'est pas ce qui nous a pris. Hatujui kabisa ni nini. Nous demandons pardon. Tunaomba msamaha. Restez. Mbaki msitoke. Eh. Na l'homme de Dieu va appeler en cachette. On est tout déjà canita quoi sur Siri. L'homme de Dieu, je compte pour mon propre éternité. Akasema mtumishi mimi ninajali tu simaomba milele binafsi. Je ne dirai plus ces choses à l'église. Basi haya mambo mimi naona sitatia kanisa tena. Je crois à moi ça. Lakini mimi binafsi mimi kama mimi naamini. Je ne veux plus le dire à l'église. Lakini sitambia kanisa mambo haya ba. Oui. Unaona? Si sont arrivés à ce point. Ikiwa alifikia hapo. La résistance des âmes. Ni kwa sababu ya nafsi. Est-ce que tu respectes les prédications? Je uliheshimu mahubiri? Papa critiquer le pasteur? Unaenda ukiteta mchungaji? Tu n'as pas affaire avec un homme, tu as affaire à Dieu. Kumbuka kwamba hauteti mwanadamu, unateta Mungu. Parce que toutes les choses là qu'on dit, c'est Dieu qui l'a dit. Sababu haya yote tunayoongea ni Mungu anayeongea. Et quand toi tu critiques les prédications? Na wewe unapokuwa kuteta mahubiri? Quand toi tu critiques les hommes de Dieu? Unapoteta watu wa Mungu. Qu'est-ce qui va se faire en toi? Nini itatokea kwako? Quatrième condition. Shurti nyingine. Quatrième. Hivi ni shurti ya ngapi? Ya ngapi? Ya nane. Ça c'est la huitième condition.
Voilà. Certains ça disent 8, d'autres disent 7. Bon, moi je lis peut-être ça peut dépasser. Il y aura même des sous-points. Condition qui suit. La voix lui posa encore la question. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je ulikuwa unaliudumia vizuri familia lako. 1 Timothée chapitre 5 le verset 8. Timothée wa kwanza 5 verset combien? Est-ce que 1 Timothée chapitre 5 le verset 8? Na msari wa 8. 5 8 Timothée wa kwanza. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je ulikuwa unaliudumia vyema familia yako. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Ulikuwa unaihudumia vyema familia yako. Regarde celui qui est à côté, dit est-ce que tu prends soin de ta famille? Tazama aliye pembenizo wako pale, mueleze je unashughulikia vyema familia yako? Pose-lui d'abord la question. Muulize swali huyu aliye pembezoni mwako. Est-ce que tu prends soin de ta famille? Je unashughulikia vyema familia yako? Les gens lorsqu'ils deviennent chrétiens, watu wengi wanapokuwa wa Kristo, ils oublient leur famille. Wanasaulika familia zao. Écoutez, la famille est sacrée. Sikiliza familia ni kitu takatifu. Tu ne peux pas laisser la faim chez toi dans la famille. Huwezi acha njaa katika jamaa lako. Pour venir donner que les hommes de Dieu. Sababu uje unipe mimi mtumishi wa Mungu. Regarde seulement les comportements de fidèles envers le pasteur et envers leur propre famille. Hebu angalia tu tabia za waumini mbele ya wachungaji na mbele ya familia zao. Regarde. Il y a des femmes qui sont venues ici qui n'ont pas même servi leur mari sur la table. Kuna hata wanawake wengine wanakuja hapa tu kanisani lakini hatashughulikia mume wake vizuri kule nyumbani. Elle dit déjà à son mari, sers toi toi-même parce que moi je pars au séminaire. Anaambia mume wake, wewe jipangie hata chakula, mimi naenda kanisa. Commence d'abord chez toi à la maison. Uanze hiyo adabu kwanza kwako nyumbani. Femme n'écoute plus la voix de leur mari. Shughulikieni chama zenu.
kwamba hiyo moja kwa moja imekufa. Si tu kwa ton mari t'amener la mauvaise route. Lakini sasa ukiona mume wako anakupeleka katika njia mbovu. Prosterne toi en prière. Piga magoti. Dis à Dieu. Ambia Mungu. Change le caractère de mon mari. Badili tabia za mume wangu. La voix que mon mari m'amène la voix de la perdition. Njia anakonibeba mume wangu ni njia ya upotofu. La. Si touche la foi. Hapo Mungu atagusa imani. Si touche la foi. Hapo akigusa imani. Prosterne toi. Piga magoti. Demande l'aide de Dieu. Omba msaada wa Mungu. Mais quand ton mari te demande des choses simples. Lakini mume wako akikuomba haya mambo ya kawaida. Hiyo ndio shida. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Walimuuliza je ulihudumia familia yako? Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je ulihudumia familia lako? Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Je unawahudumia vizuri watoto wako? Regarde comment toi tu t'habilles. Ona jinsi unavyovaa. Regarde la manière de s'habiller de tes enfants. Tazama watoto wako wanavyovaa. Il y a des hommes qui s'habillent confortablement. Kuna wanaume wanavaa vizuri. Mais regarde leur femme. Lakini tazama wake zao. L'homme reste jeune. Mwanaume anabaki kijana. Et la femme vieillit. Lakini mke wake ameshazeeka. Et surtout à cause de dépouillement encore. Na zaidi sana sababu ya hii injili. Isinge je n'achète pas ça, je n'achète pas ça. Siwezi nunua na hii, sitanunua na hii, siwezi weka wanja nini. Ala basi baki hivyo. Pour l'homme, tout l'argent pour lui, c'est de s'habiller lui-même bien. Kwa hiyo mwanaume pesa zote anajivalisha yeye. Écoutez la dignité d'un homme, c'est la façon de s'habiller de sa femme. Sikiliza heshima ya mwanaume ni jinsi gani mke wake anavyovaa. La femme est la fierté d'un homme. Mwanamke ndio heshima ya pata pesa usiwaze tu mke wako na watoto waza pia
ifanye. Alors fais-le. Fanya hilo. Fais-le. Ifanye. Amen. Écoutez bien aimé. Sikiliza ndugu. Je parlais avec un frère un jour. Nilikuwa naongea na ndugu mmoja siku moja. Il était à l'église, il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Alikuwa kanisani tu, hafanyi kitu, hafanyi kazi yoyote. Il ne fait rien. Hafanyi kitu chochote. Un jour je lui ai posé la question. Siku moja nikamswali. Bon, il ne fait rien mais à tout moment il demande donne-moi 5 dollars, donne-moi. Hafanyi kitu chochote lakini kila saa anafika kwangu, oh nipe dola 5, oh nipe kidogo, nipe 1000. Bon, tout le monde aimait quand même l'aider parce qu'il n'a rien. Na wengine walikuwa wanapenda hata kumsaidia sababu walikuwa hana kitu. Mais un jour je me suis assis. Lakini siku moja nikakaa chini. Je lui ai appelé. Nikamwita. J'ai dit frère. Nikasema ndugu. Est-ce que tu continueras à vivre par l'aide des gens? Yaani wewe utaendelea kuishi kwa misaada ya kupewa. Qu'est-ce que tu fais pour toi pour changer ta condition? Tukutendaye nini ili tubadilishe hali yako ya maisha? Vous savez ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué. Unajua alichoniambia kiliniumiza sana. Il n'avait besoin que une dans sa vie il ne cherche que 50 dollars. Akanambia kwamba yeye maishani mwake anatafuta tu dola 50. Seulement 50 dollars. Dola 50 tu. Il dit si j'ai 50 dollars. Akisema nikipata dola 50, je peux faire quelque chose. Naweza fanya jambo fulani qui m'aidera à vivre heureusement. Ambalo litanisaidia kuishi vizuri. L'affaire que je ferai produira beaucoup. Na kazi nitakayofanya italeta matunda mengi. Cela m'a interpellé bien aimé. Hiyo ikanikumbusha jambo moja. Il y a des gens dans la famille qui n'ont rien. Kuna watu katika jamaa zenu ambao hawana kitu. Tu es déjà sorti dans la famille, tu as presque tout dans la vie. Wewe tayari Mungu ameshakubariki kuna karibia kila kitu. Tu laisses tes sœurs, tu laisses tes frères toujours dans la maison des parents. Unaacha dada zako ndugu zako wanaishi katika nyumba ya mama. Tout ce que tu gagnes c'est pour toi et pour ta femme. Pesa zote unapata wewe na mke wako. Pense aussi à ta famille. Kumbuka pia jamaa lako. Prends soin de ta famille. Shughulikia jamaa lako. Il dit encore. Akasema tena. Est-ce que tu respectais tes parents? Je uliwaheshimu wazazi wako? Endikeni hiyo ni shuti nyingine. Est-ce que tu respectais tes parents? Je uliwaheshimu wazazi wako? Est-ce que tu respectes tes parents? Je unawaheshimu wazazi wako? La Bible dit enfant honore ton père. Biblia inasema mtoto heshimu baba yako na mama yako. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Dieu lorsqu'il dit honore ton père et ta mère, il n'a pas demandé l'état d'âme de tes parents. Mungu aliposema heshimu baba na mama, hakuuliza kama roho na baba au roho ya mama itakuwa. Les parents sont des êtres sacrés. Wazazi ni viumbe takatifu. Lorsque Ruben a profané la couche de son père, wakati Rubeni alipoona utupu wa baba yake. Vous savez, le père lui a écarté à la bénédiction. Najua baba alimtenga na baraka. Il dit tu ne participeras pas à ma bénédiction. Akamwambia wewe hautakuwa pamoja nami katika baraka zangu. Vous savez, najua même le ciel hata mbingu n'était plus favorable pour lui. Haikuweza kumsaidia. Tu dois respecter tes parents. Heshimu wazazi wako. Donne-le l'honneur qu'il mérite. Wape heshima wanayostahili. Ça fait très mal. Inaumiza sana. Pense aussi à tes enfants. Waza hata wewe mwenyewe pia kuhusu watoto wako. Lorsque tu parles à ton enfant et il s'oppose à ta voix. Unapoapia mtoto wako jambo na anapinga sauti yako. Vous savez ce que ça fait? Unajua gisi inavyotenda, inavyofanya. Ça fait très mal. Inaumiza. Beaucoup de femmes ont accepté d'avorter. Wanawake wengi wamekubali kutoa mimba. Mais parce que ta maman supportait ta grossesse pendant 9 mois. Lakini kumbuka ni kwa sababu mama yako alikubali kuvumilia mimba yako muda wa miezi 9. Mais ta mère a supporté ça. Mama yako alivumilia hiyo. Et aujourd'hui tu es une personne. Na leo umekuwa mtu. Ton père te dit ah toi tu fais B. Baba yako anakuambia hey wewe unajibu. Tu parles au fils que tu fais le mal, toi tu dis maman vous avez exagéré. Baba anakuambia usifanye mabaya, wewe unajibu ah ah mama na wewe umezidisha. Est-ce que toi tu respectes tes parents? Je unaheshimu wazazi wako? Est-ce que toi tu respectes tu honores tes parents? Je unawaheshimu wazazi wako? Après cette condition il lui pose encore une autre condition. Baada ya shurti akaweka shurti nyingine. Il dit maintenant. Akasema. L'assistance aux orphelins. Je ulikuwa ukiwasaidia mayatima? Jacques chapitre 1 le verset 27. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 27. Est-ce que tu assistais les orphelins? Je ulikuwa unawasaidia mayatima?
Tu le fais, lève ta main. Ikiwa kuna mtu anasaidia mayatima hapa, ainue mkono wake tuone. Tu dis quand j'ai quelque chose, je vais alors. Useme nikiwa na kitu kiflani nasaidia mayatima. Lève-toi. Msimame. Seigneur Dieu. Msimame na Mungu nasaidia mayatima. Je bénis ces gens ici. Bwana, nabariki hawa watu. Des générations à générations. Kizazi na kizazi. Les gens parleront d'eux. Watu wataongea kuwahusu. Leur bienfait sur la terre. Mazuri wametenda duniani. Même leur progéniture ne connaîtront jamais de malheur. Hata wajukuu wajukuu wao hawatapata shida. Soyez bénis définitivement. Nasema mbarikiwe kabisa sana. Si vous avez de la maladie. Ikiwa mna magonjwa. Soyez totalement guéri. Nasema mpone kikamilifu. Si vous avez des problèmes non résolus. Ikiwa mna shida hazitapata suluhisho. Recevez l'onction de la solution. Nasema mpokee upako wa suluhisho. Si vous êtes troublé, nekiwa mmechanganyikiwa, recevez l'onction de la paix. Vous méritez cela. Vous méritez cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, est-ce que tu prenais soin des orphelins? La Bible dit que la religion pire et sans tâche consiste à l'assistance des orphelins. Bien-aimé, des fois on le faisait, des fois on laisse. Bara, wakati mwingine tunalifanya, wakati mwingine tulifanya. J'avais pris une forte résolution. Lakini nilichukua mzi mzito. Que et le novembre et le décembre on doit continuer à assister les orphelins. Kwamba mwezi Novemba, mwezi Disemba tutakuwa tunasaidia watoto mayatima. Tes enfants dorment bien chez toi à la maison. Watoto wako wanalala vizuri nyumbani kwako. Mais pense aux enfants de la rue qui sont chassés de leur famille qui n'ont pas d'abri. Lakini wazia watoto wa barabarani ambao wamefukuzwa katika jamaa zao, hawana mahali pa kukaa. Pense lorsque toi tu manges, il y a des gens qui n'ont qui cherchent même du pain, même des miettes qui tombent dans ta table. Waza unapokuwa unakula chakula mezani mwako, kumbuka kuna wengine wanatafuta hata yale mabaki hawayapati. Est-ce que tu as déjà pensé à la souffrance des autres? Je umewahi kuwaza kuhusu taabu ya wengine? Les égoïstes n'hériteront point le royaume des cieux. Wale watu wanaojipenda wenyewe hawatarithi ufalme. La religion pire sans tâche devant Dieu consiste à l'assistance des orphelins. Kanisa safi na takatifu mbele ya Mungu inasaidia mayatima. Alors il lui posa encore la question. Akamuuliza swali nyingine. Est-ce que tu avais de l'amour pour le prochain? Je ulipenda majirani zako? Matthieu chapitre 19 verset 19. Matthieu 19:19. L'amour du prochain. Kupenda jirani yako. Voici à quoi ressemble l'église actuelle. Hiyo ndio picha ya kanisa la leo. La Bible est dans la main. Kanisa leo inafanana hivi, Biblia mikononi. La haine dans le cœur. Chuki rohoni. C'est l'église actuelle. Ndio kanisa la sasa. Quand tu vois un chrétien marcher dans la rue, ona mkristo anatembea barabarani. Il a ici sa Bible. Hapa ana Biblia yake. Ah, yuni shalom. Anakuambia shalom. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Il parle même lentement. Anaongea hata kwa upole. Il parle très lentement. Anaongea kwa upole. S'il veut faire comme des témoins de Jéhovah. Kama anataka afanye kama mashahidi wa Yehova. Là, il joue quand même le cravate, long cravate comme ça. Hapa anaweka hata na tai, tai ndefu hivi. Il ajoute encore des documents ici. Na anaongeza hata documents zingine hapa. La carte de voix. Bwana Yesu asifiwe. Na anapokuona anasema que le Seigneur soit loué. Mais la haine dans le cœur. Lakini chuki rohoni. Il a des gens qui le haient dans son cœur. Kuna watu anawachukia ndani ya roho. La méchanceté, la jalousie. Ukali na wivu. Il ne veut pas voir quelqu'un te béni. Hataki kuona mtu amebarikiwa. Toute chose qui arrive c'est pour lui. Avant que Dieu bénisse quelqu'un qui des choses, il fallait que d'abord lui soit béni. Kabla Mungu atabariki mtu na kitu kingine anataka yeye abarikiwe kwanza. Bien, mais je veux vous faire rire. Wacha niwachekeze kidogo. Lorsque nous avons lancé une opération à l'église pour l'achat de parcelles, tulipoanza kazi kule kanisani kwetu kutafuta pesa za kununua uwanja. Non, non. Avant ça. Eh, kabla ya hilo. J'étais malade d'abord. Voilà, j'ai commencé à ça. Eh, nilikuwa mgonjwa kwanza. J'étais malade à l'époque là. Nilikuwa mgonjwa wakati ule. C'était au moins, on est au moins à quel mois ici? Ici. Octobre. Octobre. Tuko katika mwezi gani huu? Je souffrais de l'empoisonnement. On est octobre. Voilà.
Je souffrais du problème du poison au mois d'août. Katika mwezi wa nane nilikula sumu. Quand ses frères ici m'appelaient pour venir ici. Wakati waliponiita ili kuja huku. J'étais tellement malade. Nilikuwa mgonjwa sana. Le poison avait tellement touché beaucoup des organes dans mon corps. Sumu ilikuwa imeshagusa viungo vingi katika mwili wangu. Alors un frère qu'on se connaît très bien. Ndugu ambaye tunajuana naye vizuri. Il est venu me voir. Akaja kuniona. Yeah. Ça lui a tellement dérangé. Et il me semblait sana. Ça lui a tellement dérangé de me voir à cet état. Il me semblait sana kuniona hali niliyokuwa nayo. Parce que vraiment tout le monde pensait que j'allais mourir. Sababu watu wote waliwaza wenda nataka kufa. Imaginez dans moins de 10 mois trois fois empoisonné. Hebu wazia tu chini ya miezi 10 hivi nilikula sumu mara 3. Et je faisais dans les maisons, je peux faire 4 mois à la maison. Na hivyo nililazwa nyumbani hata nafanya miezi 4 niko pale tu. Dès que j'ai un peu la force, je reprends le travail. Nikipata nguvu kidogo naanza kazi. Bado un mois tu es encore empoisonné. Aitania mwezi tena nalishwa sumu nyingine. Donc c'était difficile. Ya kwa hiyo maisha ilikuwa magumu sana. C'était tellement difficile. Elle est quoi ma gomme, le frère là est venu me voir. On est donc à quatre kuniona. J'étais couché dans le canapé. Nilikuwa nimelala pale kwenye kiti. J'étais comme ça mess. Nilikuwa ninagonda hivi mwembamba hivi. Ma femme ne cessait de pleurer à tout moment. Mke wangu alikuwa analialia tu kila wakati. Le frère là m'a regardé comme j'étais. Ule ndugu akanitazama jinsi nilivyokuwa. Le frère là a pleuré. Ule ndugu akalia. On se connaît bien. Tunajuana vizuri. Il me dit l'homme de Dieu. Akaniambia mtumishi wa Mungu. Ton état me dérange. Naona hali yako ya afya inanisumbua. Est-ce que tu prends le traitement? Je, kuna dawa yote ambayo unachukua? Là je ne parlais pas. Nilikuwa hata siwezi ongea. Je regardais seulement comme ça. Nilikuwa naangalia tu hivi. Il essayait de parler à ma femme. Akaongea na mke wake kazi niweze kumjibu. Maintenant il me dit, je pars dire à mon pasteur de faire quelque chose pour toi. Sasa akaniambia, okay, na nataka nende niambie mchungaji wangu akusaidie kitu fulani. Je sais que mon père spirituel t'aime beaucoup, je pars chez lui. Najua babangu akiroa anakupenda sana naenda kwake. Il part voir son pasteur. Anaenda ona mchungaji wake. Son pasteur lui donne de l'argent pour me donner. Mchungaji wake akampa pesa ili anipe. Son pasteur a dit encore empoisonné. Mchungaji akasema tena wamempa sumu. Non non non, là ça exagère. Hapana hapana, hiyo sasa imezidi. Prends cet argent. Chukua hizi pesa. Va lui donner. Nenda ukampe. Dis à sa femme de lui amener directement et immédiatement à l'hôpital. Ambia mke wake ambebe moja kwa moja hospitalini. Le frère a apporté l'argent. Ule ndugu akaleta zile pesa. Chemin faisant. Alipokuwa njiani, il a enlevé une partie. Akaondoa sehemu ya zile pesa. Donc pour le pourcentage à 100%. Yani tuki estimate kama vile percentage asilimia 100. Le frère a enlevé 45%. Ule ndugu alitoa kama vile asilimia 45%. Il m'a laissé 55%. Mimi akanetia 55%. Quand il m'apporte les 55 là. Wakati aniletea ile asilimia 55%. J'ai écrit au téléphone à ma femme parce que je devais seulement écrire, je lui écris, dis-lui merci beaucoup. Je crie directement parce que j'avais aussi le numéro de son pasteur. Je crie directement à son pasteur que je vis de l'argent, que Dieu lui bénisse. Kwa hiyo nikawa naandika SMS kwenye simu kwa mke wangu sababu sikuweza kuongea, nilikuwa naandika tu. Nikaandika mke wangu, nikamwambia mke wangu mwambie asante, na nikaandikia kwa ule mchungaji nikamwambia Bwana kubariki. Quand ma femme lui répète les paroles, wakati mke wangu alipoendelea kumwambia, akasema pana pana pana. Mama laisse nous, je veux parler maintenant avec papa. Akaniambia mama utuache, mimi mwenyewe nitaongea na baba ya na baba. Alors ma femme est sortie. Kwa hiyo mke wangu akatoka nje. Elle s'est approchée de moi. Akanikaribia. L'homme de Dieu. Akaniambia mtumishi wa Mungu. J'ai pitié de toi, je sais que tu es malade. Ninakuhurumia na unako mgonjwa. Mais si mon pasteur te demande l'argent. Lakini ikiwa mchungaji wangu atakwambia nilikupa pesa ngapi? Sema que c'était 55. Wewe useme tu kama nilikupa 55. C'est 45 là, j'avais un peu quelques problèmes. Unajua ile nyingine sehemu ya pesa nilipata tatizo. C'est aussi moi-même qui est allé demander pour toi quand même. Lakini wewe pia mimi ndo nilianza kukwambia hizo pesa. Kwa hiyo nilichukua kidogo. Je dois aussi en bénéficier de quelque chose. Kwa hiyo lazima na mimi nifaidike kidogo kwa hizo pesa. Il avait tiré sa part. Akaondoa sehemu ya. Après son pasteur m'appelle comme je n'arrivais pas à décrocher, il m'écrit le message. Baadaye mchungaji wake akaniita, sikuweza kuchukua simu, akaniandikia SMS. Alors je ne savais pas mentir ou dire la vérité. Sasa nikachanganyikiwa, sijui niseme uongo au niseme kweli. Quand le frère me dit ce que je fais là, je peux encore le faire demain et demain pour toi. Sababu ule ndugu alisema, sona leo nimekuombea na umepata, kwa hiyo utaendelea kwani na kuombea ombea na mimi nachukua kidogo kidogo. Moi je vais juste prendre mes pourcentages. Kwa hiyo mimi nitakuwa nachukua ile sehemu yangu na kuombea sehemu na chukua na kwa. Tu commences à faire le business même à ma santé. Nikamwambia sasa ndugu, unaanza fanya business na afya yangu. Donc pour lui, je devais rester malade pour
Hassan ni mgonjwa, nabii Hassan ni mgonjwa. Kwa hiyo atapewa pesa nyingi, anachukua sehemu yake, anapeleka sehemu nyingine. Naje kudia Lingala wala nabi, omdeje. Hapo nao itaka mwenga pina bikela. Hapo na wambia Lingala akasema, mtumishi wa Mungu, hii ugonjwa yako ni njia na mimi niweze kuishi. Je sais que quand il a appris que j'étais guéri, il était tellement déçu. Pour lui, il souhaitait que je ne meure pas. Mais que je reste là toujours malade. Parce que lui doit gagner beaucoup d'argent. Il va en profiter de beaucoup de choses. Na atapata mambo mengi. Où est parti l'amour? L'amour du prochain est où? Gloire que tu possèdes, et de l'issue, mais nous t'accordons.
Fika pia tunaomba muwapelekee salamu zetu kwamba
kwamba injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Injili ndio itakayotupeleka mbinguni. Nje hapo hakuna kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen.